there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Vozes no meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de tempo. Vous n'avez pas rêvé, Starman. Starman. Alors, qu'est-ce que Starman vient faire sur une chaîne YouTube dédiée à Hellboy? Telle est la question. Bah voilà, j'en ai marre. Bah, j'en ai marre. Dark Horse, Hellboy, toutes ces conneries. Ça vend pas, c'est pas vendeur. Je fais pas assez de chiffres. Pas assez de visiteurs par jour. Pas assez de commentaires. Pas assez d'abonnés. Pas assez d'amis. Non, c'est bon. Bah, j'en ai marre. Fini les conneries. L'âge de la raison. J'ai vendu mon âme à DC Comics. Nah, ça va pas ou quoi? Hellboy Forever, mec. Starman, eh bien, tout simplement parce que ceci, parce que cela. Hellboy Rencontre, édité chez Semic, hein, je vous apprends rien, ou en tout cas si je vous l'apprends, bah shame on you. Et si aujourd'hui on va en parler, c'est non pas pour parler du crossover, puisque Hellboy a fait il y a quelques années un crossover avec Batman et Starman dans la même histoire. Donc dans ce recueil, il a également été inclus un crossover avec Ghost, le personnage de Ghost. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, j'en ai déjà parlé sur le blog, j'en ai fait un article. Non, si je veux parler de Starman aujourd'hui, c'est parce que ceci, parce que j'ai reçu ça aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Donc on va déballer tout ça, et on va expliquer le pourquoi du comment après. Donc d'abord, on va le déballer. Allez, ça risque de prendre du temps, donc ellipse. Donc, j'avais déjà fait une vidéo, la seule vidéo non dédiée à Hellboy de ma chaîne, c'était lors du déballage de la statuette du Goon, produite par Randy Bowen. Et là, en fait, là, donc, vous devez, de toute façon, je pense, vous douter de ce que c'est. En tout cas, vous doutez de ce que contient cette boîte. Donc, dans la même idée, histoire d'ajouter un petit peu de couleur à ma collection de toys et autres autres statuettes, je me suis dit, bah tiens, ce serait sympa de ratisser large, parce que bon, Hellboy et Sapiens, tout ça, c'est bien sympa, mais statistiquement parlant, le Hellboy Universe inclut les différents crossovers, en tout cas les différentes aventures que Hellboy a connues avec d'autres super-héros. Donc je pense notamment à Batman, je pense à Starman, à Savage Dragon, au Goon. Tout récemment, Criminal Macabre, j'en reparlerai dans pas très très longtemps, donc pas la peine de me faire... Non, j'en parlerai dans pas très longtemps. Criminal Macabre, Painkiller Jane, ça c'est sur le blog aussi, et Ghost, je pense avoir fait le tour des différents crossovers. Donc bien sûr, du meilleur au pire, hein, Savage Dragon étant le fond, étant une représentation du fond de la cuvette. Donc voilà, donc je me suis dit, bah écoute, ce serait super sympa de posséder des petits toys, petites pièces en résine, des nouveaux amis
des nouveaux amis de Hellboy. Et donc là, bah, du coup, bah, je suis tombé sur une super offre, sur la seule statuette jamais produite à l'effigie de Starman. Donc j'ai dit banco, vas-y, on va y aller. Donc, présentation de la boîte, je découvre ça en live. Hein. Limited up to 2000 pieces, 89,95 $. Ouh, ça date ça, je vois qu'il est marqué ça. Produit par DC Direct, Starman, donc toujours la même photo, en haut, en bas, machin, tout ça. Tac, tac. Et sur le côté. Ah, attends, ok, d'accord. Hop! Limited, alors j'ai la pièce numéro, je vois pas trop sur l'écran, 838 sur voilà 1500, et sur la boîte c'est marqué que c'est limité à 2000 pièces. Faudra qu'on m'explique. Limité à 2000 pièces. Cold cast porcelain and painted medium sized statue. Ah ouais, parce qu'elle est, vachement petite. Sculpté par Tim Brockner, based on designs by Tony Harris. Tony Harris, je ne sais pas s'il dessine toujours Starman. Donc oui, alors, petite présentation du personnage pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc dont moi. Première apparition dans le Adventure Comics numéro 61, datant d'avril 1941. Création, pleine Seconde Guerre mondiale. Il date, le bonhomme. Starman est le nom d'une lignée de super-héros inspirée par le premier Starman, Ted Knight, ou Knight, comme le mec de K-1000, qui était actif dans les années 40. Parmi eux, on peut tout particulièrement noter Jack Knight, donc c'est celui-là, fils de Ted Knight, qui reprit le flambeau dans les années 90. Et donc le fameux Ted, c'est ça, Ted, bah, c'est celui-là que Hellboy rencontre dans... dans ce crossover, qui est un excellent crossover. De toute façon, je le lis sur le blog, donc si vous voulez en savoir plus, direction rubrique crossover. Alors, j'ai ouvert le bidule. Oh, un certificat d'authenticité. Ça, c'est bon, ça. Moi, j'aime les certificats d'authenticité minuscules. This statue is an authentic DC Comics Limited Edition sculpture. Oh, yeah. Il n'y a pas le numéro, par contre, ça, c'est un peu bidon. Un peu bidon, c'est un peu dommage, quoi. Il n'y a pas le numéro de la pièce, qu'en général, les certificats d'authenticité doivent prouver du numéro de votre pièce. Voilà, du numéro de série. Donc, clac, clac, boum, boum, on l'a ouvert. Alors, direct, on tombe là-dessus. Donc, comme quoi, c'est à monter soi-même. La lance, je ne sais même plus comment elle s'appelle, d'ailleurs, la lance de Starman. Donc, c'est produit neuf, hein, je tiens à le préciser, en fait. Donc, c'est un truc qui a été produit, d'ailleurs, il n'y a même pas l'année. C'est ça qui est dommage, mais ça a été produit il y a vraiment pas mal de temps. Et j'ai acheté le produit neuf, mais c'est juste que la boîte est passée de main en main, de distributeur en distributeur, personnes qui n'ont jamais ouvert la boîte et qui n'ont fait que le revendre. Donc, tac, c'est ouvert. Hop là, oh, sympa. C'est en métal. Ah, c'est sympa, ça. C'est en métal, donc voilà. Le bâton, on le retrouve en plus, hein, il l'a dans... Si j'ai bien compris, j'y connais rien. De toute façon, vous le savez, moi, les comics, j'y connais strictement rien. À part Hellboy, je ne lis rien d'autre. Donc, Starman, j'ai découvert avec ce crossover, quand il arrive avec ce bâton, parce qu'ils enlèvent... Starman arrive parce que les nazis enlèvent son père ou son grand-père au début de l'histoire. Et donc, le fiston arrive avec son espèce de bâton cosmique, ou je sais pas trop comment il l'appelle. Il se balade avec ça. Donc, c'est en métal. Peinture chrome doré, vraiment sympathique. Donc ça, je pense que ça doit se planter dans le socle, vu la tige. Ensuite, alors, on va ouvrir le truc. Attention, la boîte, je vois, ouais, elle pète pas des masques. D'autant que c'est assez curieux, parce que donc ça, c'est le fond de la boîte. Et sur le côté de la boîte, regardez comment c'est foutu. Starman s'écrit à l'envers, et le personnage, il est de ce côté-là. Vraiment, c'est comme ça. Mais si, non, comme ça, pardon. Mais si on le met comme ça, bah du coup, on a le fond là. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ok. Tadam ! Donc voilà le truc. Donc une nouvelle pièce ajoutée à ma collection de compagnons de route de Hellboy. On va dire ça comme ça. Donc j'ai déjà la statuette du Goon faite par Randy Bowen. La variante, je ne l'ai pas achetée. Parce qu'il y a une variante qui me dit je l'achèterai pas. Parce que bon, c'est pas du Hellboy. Ça aurait été du Hellboy, j'aurais acheté. Mais là, c'est du The Goon. J'ai les deux bustes également, celui de Frankie et celui du Goon. Donc là, j'ai également la statuette, forcément, hein, du Batman par Mignola, qui sera pas réédité, mais dont une variante sortira l'année prochaine, en 2012. Donc ça, je vous en ai parlé sur le blog il n'y a pas très longtemps, donc ça paraît à peu près. Donc maintenant, j'ai Starman.
bah, il me manquera plus du coup que Painkiller Jane, Ghost, Savage Dragon, mais bon, Savage Dragon, voilà quoi, le crossover n'aurait jamais dû voir le jour. Oh, c'est joli. Donc, je retire ça, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai ouvert dans le mauvais sens, hein, tant qu'à faire les choses bien. Hop, on le tire. Alors, ok, donc c'est en un seul... Ah, elle est plutôt grande. Elle est plus grande que ce que je ne pensais. Parce qu'en général, quand vous avez une boîte, vous achetez une pièce en résine, vous avez la boîte polystyrène, l'espèce de container en polystyrène de protection. En général, c'est plus du double... la moitié du volume de cette boîte est occupée par le produit. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est tout le produit qui est occupé polystyrène. Donc c'est curieux. Tout est curieux dans cette boîte, c'est marrant. Starman est un personnage curieux. Donc, hop, je retire ça. Et je le prends. Alors, voilà ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donne? Made in China! En doré. Ah, on voit pas trop. Made in China en doré. 838 sur 1500. Sur la boîte, c'est marqué 2000. Là, c'est 1500. Ça m'étonnerait que ce soit une variante. J'en ai pas entendu parler, en tout cas. Écrit directement au stylo doré sur le socle. Ouais, bon. Il y a rien d'écrit sur certificat d'authenticité. C'est écrit comme ça. Un petit peu fait à la mano. Les petits patins de protection. Ça fait toujours zizir. Donc, le socle. Alors, qu'est-ce que ça représente? Je pourrais absolument pas vous le dire. S'il y en a qui s'y connaissent en Starman, s'il y en a qui ont lu, s'il y en a qui savent ce que représente ce socle, ce que représente cette pose et compagnie, bah, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, commentez, expliquez-moi, apprenez-moi un peu la mythologie DC Comics. Moi qui n'y connais absolument rien, vous serez super sympa. Donc, alors le bâton, ah oui, le bâton est grand en fait. Donc le bâton, on le met là. Ok. Tac, tac. Dans quel sens ça se met? Comment c'est sur la boîte? On va faire les choses bien, hein, tant qu'à faire. C'est vers l'intérieur. Voilà. Logiquement, c'est censé être comme ça. Ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Pareil, le symbole dans le dos, qu'est-ce que c'est censé représenter? De l'OC. Donc, n'hésitez pas à m'apprendre la vie. La pose est plutôt sympa. Oh bah, hop. Voilà. Donc... Ouais, ce qui est. Voilà. Donc la pose est plutôt sympa. Plutôt sympa. La pose est assez assez funky. Hop, regardez, effet miroir. C'est magnifique. La pose est plutôt stylée. Un genou à terre. Bâton planté dans le sol. L'air. Le regard du guerrier regarde loin. Je sens mes ennemis venir. Avec son étoile de ranger là. Walker Texas Ranger. Le ranger de l'espace, le ranger cosmique. Ouais, plutôt sympa. Plutôt sympa. Un peu petit, mais... Non, ça le fait. Ça le fait. Je valide. Hop, voilà. Je valide. Starman, la statuette, bah voilà. À mettre à côté de... Bah à côté de Batman, du coup. Un excellent complément. Ceux qui ont la statuette de Batman par Mignola et qui ont envie de... Tout comme moi, je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup dans le monde. Coucou, je suis là. Ouais, un excellent complément, en fait, pour aller avec le Batman de Mignola. Bon, bah du coup, c'est pas le Starman de Mignola, c'est le Starman de Ted Harris, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, hein, de... Rossier. Ted Harris. Ouais, Tony Harris. Tony Harris, c'est le Starman de Tony Harris, pas de Mignola, mais ça le fait quand même, c'est stylé. Au niveau de la peinture, ouais, ça peut aller, il n'y a pas beaucoup de nuances. À part sur le socle, c'était produit en 99. Il y a marqué derrière. DC Comics 99 copyright. Ouais, c'est fait il y a plus de 10 ans quand même. Hein. Plus de 10 ans, et putain, le prix où je l'ai acheté, une misère. Ouais, voilà, c'est que ça me cache. Ça, il doit pas coter des masses, hein, Starman, dans l'univers des super-héros, parce que vu le prix auquel je l'ai acheté. Oui, je disais quoi? Oui, au niveau des couleurs, ouais, c'est pas. Au niveau de la peinture, c'est pas top. Donc il y a eu un effort de fait sur la lance, une espèce d'aspect chromé pour vraiment faire ressortir l'aspect métallique de la lance. Donc c'est sympa. Le socle, la sculpture du socle est vraiment sympa. La couleur, pas mal. Mais au niveau du personnage, c'est là où ça coince parce que.
blanc, noir, violet, pourpre, noir pour les godasses, pourpre pour les chaussettes, couleur chair pour la peau, gris pour les lunettes, et vert pour les lentilles, et puis basta, quoi, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance, c'est un peu dommage, c'est une couleur un peu simplifiée, donc vu la taille du truc, ok, quoique c'est pas aussi petit que ça en a l'air. Enfin, que ça en avait l'air, c'est pas aussi petit que ça, quoi, donc ils auraient pu faire peut-être un... Voilà, un petit peu d'effort là-dessus, un petit effort. Mais sinon, ouais, ça va, elle est funky. Elle est funky. Mais un peu, il n'a pas à rougir, Starman n'a pas à rougir de sa statuette. Seule statuette, seul produit résine existant de Starman, hein, je tiens à le préciser, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y a des petites figurines aussi qui existent, mais je crois que je vais m'arrêter là pour ce personnage. Pas déconner non plus, ou alors plus tard. Donc voilà, sculpture bien, couleur, elle aura pu faire un petit peu d'effort, mais le gros du truc y est, c'est sympa. Ils ont mis en plus un sticker, le blason qu'il a dans le dos, c'est un sticker, je viens de le remarquer. Pas top, regardez, c'est un sticker. On voit là, on passe la lumière dessus, regardez, le sticker brille et pas la peinture. Donc, mais sinon, ouais, sympa. Bon. Puis il a les ongles gris, je tiens à le préciser, ses ongles sont gris, genre il s'est pas lavé depuis 10 jours le mec. Bon, bah voilà, voilà pour Starman. Donc, bah écoutez, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, déballage de cette statuette. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, à bientôt sur le blog, ciao ciao.